Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission Choc d'idées. C'est une première émission et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission pour la première fois. Plaisir et émotion en même temps parce que c'est une première. J'espère que vous allez vous habituer à suivre cette émission qui vient tous les vendredis chez vous pour vous apporter des éclaircissements, des débats sur des sujets d'actualité. Pour ouvrir cette première émission, je pensais qu'il était très important qu'on parle d'un sujet dont on parle très peu, pourtant qui concerne bien notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons parler des mines. Ouais, pour beaucoup d'entre nous, les mines est considérées comme un secteur qui ne nous concerne pas. Pourtant, la République démocratique du Congo, notre bien commun, en vit. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans cette émission, je me suis fait le plaisir, je me suis honoré d'avoir des invités pour parler de ce sujet. Le sujet, c'est enjeux et défis du nouveau code minier en République démocratique du Congo. Pour en parler donc sur ce plateau, j'aurai avec moi des experts. Je vais vous les présenter. Juste à l'extrême gauche, nous avons Maître Danny Oleko Yanana, qui est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, mandataire en mine et carrière. Il est avocat au barreau donc, de Kinshasa, ancien conseiller de la ministre des Mines, Antoinette Nsamba, chargé des questions juridiques et contentieux. Maître Danny Oleko Yanana, bonjour. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'accepter de répondre à notre invitation aujourd'hui. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et tout de suite, à ma gauche, il y a le professeur Gary Sakata. Il est député national, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, avocat inscrit à la liste de la Cour pénale internationale. Vous êtes professeur ordinaire à l'UNIKIN, l'UCC, UPC et ULK. Vous êtes auteur de plusieurs articles et ouvrages dans les secteurs de ressources naturelles, dont le dernier est le code minier expliqué. Voilà. Qui est mieux pour nous parler de ce code minier? Donc, professeur Gary Sakata, bonjour. Bonjour, Marius. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans cette première émission. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous avoir. Et tout de suite, à ma droite, il y a monsieur Jean-François Arménian. Monsieur Jean-François, vous avez consacré 46 ans de votre vie au développement de l'industrialisation, principalement par la vulgarisation des ressources des pays africains. Vous avez travaillé pour la GECAMINE en RDC et votre expérience est de travailler avec les entreprises minières, sociétales, au profit des communautés. Monsieur Jean-François Arménian, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes honorés de votre présence. Et à mon extrême droite, sur ce plateau, pour continuer à parler de ces sujets très intéressants, nous avons donc monsieur Jean-Pierre Okenda. Monsieur Jean-Pierre Okenda, expert dans le domaine de la gouvernance des industries extractives, y compris l'appui aux réformes légales. Il a participé dans la rédaction du code minier dont on parlera aujourd'hui et son règlement. Il a également été, vous avez réalisé plusieurs ouvrages et c'est un plaisir pour nous d'avoir un expert comme vous dans cette émission. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Je vous dis d'abord bonjour. Je ne vous ai pas salué. Bonjour et merci pour l'invitation. Voilà donc, merci beaucoup à vous quatre, chers messieurs, d'être mes invités pour cette première émission. C'est un honneur. Merci encore pour votre présence. J'espère que, comme moi, vous à la maison, allez apprendre sur ce domaine qui est peu exploité dans les médias, qui est le nouveau code minier. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui fait les mines, mais si jamais cela vous passait à l'esprit, ne ratez pas le débat aujourd'hui. Ce sera peut-être un débat. Vous êtes, messieurs, autorisé à vous contredire si cela arrive, mais sachez simplement que c'est un panel pour que nous puissions comprendre en profondeur le code minier. Alors, pour le Congolais lambda qui ne connaît pas le code minier, j'aimerais, professeur, parce que c'est votre travail comme enseignant, est-ce que vous pouvez, en quelques lignes, nous définir de façon simple c'est quoi le code minier congolais? Ben, à titre de définition, je peux dire le code minier, c'est la loi qui régit les secteurs des mines, voilà. C'est la loi qui régit les secteurs de mines, voilà. Et il est accompagné d'un règlement minier
qui constitue un ensemble de dispositions prises par le Premier ministre et contenues dans un document qu'on appelle le règlement minier, mais c'est un décret. Voilà, c'est une loi, mais la particularité de cette loi, et la raison pour laquelle nous en parlons aujourd'hui, c'est que cette loi a été promulguée en 2002, et puis en 2018, elle a été revisée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de questions, ou plus ou moins beaucoup de polémiques autour de cette loi minier, de ce code minier révisé. C'est la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire, Maître Dany Oleko, pour vous, quels sont... Et ça, c'est une question ouverte, hein, si jamais on oublie quelque chose. Quelles sont les grandes révisions, selon vous, qui ont été apportées à cette loi révisée? Bon, merci. Je commence d'abord par préciser que je suis venu dans le secteur des mines après, donc sous l'empire de la loi révisée de 2018. Cela ne m'empêche pas, en tant que scientifique aussi, de chercher à comprendre l'évolution législative et l'apport de la réforme législative qui est intervenue en 2018. Principalement, je pense, comme le professeur venait de le dire en définissant le code minier ici, il faudrait commencer par comprendre qu'il s'agit d'un outil qui a été conçu pour exercer la souveraineté permanente de l'État sur ses ressources naturelles. En application, je pense, moi, de l'article 9 de la Constitution, l'État exerce une souveraineté permanente sur ses ressources naturelles, sur le sol, le sous-sol, les espaces aériens, etc. Et le constituant habilite le législateur de mettre en place des règles de gestion du domaine de l'État. C'est ainsi que le code minier a été pris. Avant qu'il n'arrive aujourd'hui, code minier, c'est depuis bien avant l'indépendance qu'il y a eu des règles qui se sont succédées pour tenter de gérer les ressources naturelles, les mines de la République démocratique du Congo. C'était d'abord les mines du Katanga seulement, et puis on a étendu la législation sur l'ensemble du territoire national. Et puis, lorsque le nouvel État du Congo né en 1960, en 67, il y a une réglementation qui sera modifiée. Et en 1981, je pense, la réglementation ou la législation qui a eu un peu plus de longévité, c'est la loi de 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Et les autorités ont compris que les textes qui régissaient les secteurs n'était pas de nature à attirer les grands majors de l'industrie minière et non plus de nature à faire profiter à la population congolaise ou au peuple congolais une contrepartie équivalente aux ressources du sous-sol. Donc la démarche consistant à chercher à rompre cette inadéquation entre un territoire potentiellement riche, mais sur lequel on a un peuple très pauvre, parmi les plus pauvres de la planète. Et on a le code minier. Et donc, cet outil par lequel les pouvoirs publics cherchent à atteindre cet objectif. Je vais là-bas pour vous dire que s'il faut parler des innovations, je vais me concentrer peut-être sur deux seulement. Quels sont les deux? Voilà. Sur le fait que il y a, ce qui concerne la contrepartie que les pouvoirs publics doivent tirer, il y a la fameuse question de la redevance minière. En 2002, la réforme législative de 2018 a d'abord élargi le nombre d'assujettis, n'est-ce pas, et élargi aussi l'assiette de la redevance minière. Qui est passée de 5 à 10%. Non, je ne sais pas de ça. Je ne sais pas le pourcentage. Je parle de l'assiette. Okay. L'assiette de la redevance. On reviendra à vous parce que je pense que vous êtes. Je parle de l'assiette de la redevance minière. Ouais. Le nombre d'abord, parce que si vous lisez l'article 240 du Code minier dans sa version de 2002, vous trouvez qu'était seul assujetti à la redevance minière le titulaire du permis d'exploitation. En 2018. Il y a le titulaire du permis d'exploitation, il y a le titulaire du permis d'exploitation des régions, d'autorisation d'exploitation des carrières permanentes, sauf ceux qui sont
les matériaux de construction à usage courant, il y a les détenteurs des entités de traitement, donc le nombre d'assujettis est allé croissant. Et puis l'assiette de la redevance minière. En 2002, l'assiette de la redevance minière était constituée de l'ensemble des ventes réalisées par les titulaires du permis d'exploitation, déduction faite des charges. Alors qu'en 2018, l'assiette de la redevance minière est devenue la valeur commerciale brute. Mmh. Alors, je sens que dans vos explications, c'est très technique, ce qui est bien, mais pour un Congolais lambda, ça va être compliqué, il faut lui donner un coup. On reviendra sur ces détails tout à l'heure. Mmh. Prof, on va revenir à vous pour que vous puissiez nous donner, je veux dire court, un tout petit peu, mais vous avez participé à la rédaction de ce code minier. Est-ce que vous pourriez nous dire en une minute quels sont les grands changements? Si un Congolais lambda vous dit, quand on a changé, qu'est-ce qu'ils ont apporté de mieux dans ce nouveau code minier? Que nous diriez-vous? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler du code minier. Alors, lorsque vous lisez l'exposé des motifs, vous allez trouver les 10 raisons ou les facteurs majeurs qui ont amené les législateurs congolais, c'est-à-dire l'État congolais, à devoir reviser le code minier. Parce qu'en fait, quand on amorce une réforme légale, on s'est dit au départ qu'on a d'objectifs. Donc la question que vous me posez, quels étaient les objectifs du gouvernement congolais en revisant le code minier? Alors, et quelles sont les innovations? Effectivement, j'ai déjà publié un article en 2009 sur les innovations. Lorsque vous prenez le code minier, parmi les innovations qui sont les plus importantes, j'avais parlé de l'inclusion ou la domestication. Le fait pour le gouvernement congolais d'intégrer les standards de transparence dans le code minier. C'est important de le dire, c'est-à-dire que parce qu'un des problèmes, un des défis récurrents que le code ou le secteur fait face, c'est la question de la transparence avec tout le problème que nous avons de fraude du consort, tout ça. La première chose qu'il faut dire là-dessus, c'est que l'État congolais a fait en sorte qu'on puisse prendre des standards internationaux en matière de transparence et les amener dans le code minier. C'est ainsi que pour la première fois, vous allez trouver dans le code qu'il y a une disposition qui sanctionne ce qu'on appelle la transparence. Ça, c'est un élément, mais qui est un peu un élément au niveau vraiment quand même. Parce qu'au début, enfin, de celui de 2002, absolument pas de transparence. Absolument pas. Il n'y en avait pas. Donc maintenant, lorsqu'il y a entrave ou obstruction à la transparence, le code prévoit finalement des sanctions. L'autre chose qui est importante à souligner là-dessus, c'est que je vais parler des questions de accroître la contribution du secteur minier au développement local. Et ça finalement quand même abouti par l'inclusion dans les codes miniers des nouveaux outils. Des outils, ce qu'on appelle de moyens ou de leviers, pour devoir faire en sorte que le pouvoir central partage davantage de revenus avec les communautés ou les entités locales. Parmi ces outils, j'ai d'abord les deux outils comme changement, il y a eu l'inclusion dans les codes miniers, ce qu'on a appelé le fonds pour le développement communautaire. Donc une obligation faite aux sociétés minières de pouvoir alimenter avec 1,3% de leur chiffre d'affaires brut alimenté de fonds de développement communautaire. Et ça vous donne énormément beaucoup d'argent parce qu'on s'est inspiré du modèle Quat FM. Le deuxième élément important, parce que là je suis sur la section développement communautaire, c'est de devoir inclure dans les codes miniers pour la première fois la clause des cahiers de charges. L'obligation faite aux sociétés minières de devoir signer des cahiers de charges avec les communautés qui sont affectées. Les cahiers de charges, en RDC, on appelle cahiers de charges parce qu'on s'inspirait du concept qui vient de cette forêt-ci, on a parlé de cahiers de charges. Mais dans d'autres pays, dans la région, on parle de ce qu'on appelle un accord en développement local. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, à partir de ce moment-là, des sociétés minières doivent signer des accords en développement ou des cahiers de charges avec les communautés dans lesquelles, dont la durée est de 5 ans, dans lesquelles la société minière explique de quelle façon elle a contribué au développement local. Donc vous avez un processus de négociation dans ce cadre-là, entre d'un côté l'entreprise et de l'autre côté la communauté locale, bien sûr sous la supervision de l'autorité et qui est habilitée. Il y a tous les détails dans la code. Et le troisième moyen qui a aidé là-dessus, je ne l'appelle pas innovation. L'innovation a ce sens que c'est la redevance minière dont Maître a évoqué. En réalité, l'innovation à ce niveau-là n'est pas le partage. Parce que le code de 2002, il a cité l'article 242, prévoyait déjà à ce moment-là que l'État allait collecter la redevance minière et faire la rétrocession avec les provinces et les entités locales. Fort a été dommage de constater que pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas de rétrocession vers les entités locales. Donc ce qu'on a fait en 2018, ce qu'on a dit, plus question, nous avons plutôt changé
l'innovation sur le mécanisme de prélèvement. Nous avons dit non, on ne peut plus continuer. Parce qu'on a essayé avec les coûts de 2010, ça n'a pas donné d'effet. Donc, on a fait en sorte que finalement, que l'entreprise paie à la source, paie à chacun. Ça ne coûte pas. Alors justement, pour ce fonds de développement communautaire, notamment la participation des entreprises pour faire en sorte que les communautés locales se développent. Monsieur Jean-François, vous allez revenir à ça tout à l'heure pour conclure avec cette partie de l'innovation du code minier. Vous avez travaillé pendant longtemps avec les entreprises pour leur permettre de travailler avec les communautés locales pour leur développement. Est-ce que vous pensez que cette innovation, depuis 2018, a apporté quelque chose dans les communautés locales? Je reviendrai au passé. Le code minier s'est fait en 2002. Il faut savoir que les gens, parce qu'on s'adresse aux spectateurs, il a été fait pendant une période qui se passait dans un conflit et c'était géré, on va dire, par le chasse plus un. Il faut penser à ça. Dans lequel, puisqu'on va parler des communautés, la situation minière de la RDC n'avait pas encore cette évolution voulue, mais il y avait la demande des populations de survivre, de se développer, de se lancer dessus. Et donc, on a fait rapidement un code minier, et là, je vais être peut-être en contradiction avec les gens, on nous l'a imposé, le code minier. Qui l'a imposé? Les institutions internationales. Ils l'ont imposé. Parce que si vous prenez le code minier du Ghana, du Burundi, du Rwanda, du Maroc, vous allez voir que tout est à peu près sur le même schéma. Et je fais même la liaison, on le sait bien, avec l'implication de l'ICE, qui aussi pénalise, on va y revenir, tout ce développement-là. Ça, c'est déjà le point. Nous-mêmes, dans la société civile, je suis une ASBL, je suis membre de la société civile, et nous avons fait, à partir de 2013, il y a eu déjà des rapports sur le code minier 2002, et en 2012, nous avons relancé nous-mêmes, la société civile, la révision du code minier. Parce que nous avions, entre 2002 et 2007, le rapport de la Banque mondiale sur les permis, sur les joint ventures, etc., nous avons constaté beaucoup de choses et nous avons apporté, et nous avons dit, il faut le réviser, il faut que ce soit adapté. Vous ne pensez pas que cette révision, justement, qui a eu lieu finalement en 2018, est due de la pression des organisations non gouvernementales pour la réviser? Justement. Donc vous avez été écouté, entendu? Non, mais justement, c'est là que je veux vous expliquer. Nous avons donc demandé la révision pour que ça soit vraiment, que les retombées soient pour le développement de la RDC, d'amener du PIB, d'amener du budget à l'État, de créer des emplois, etc. Faire le code minier, vous êtes des juristes, vous le savez bien, ça c'est la loi, c'est le texte. Mais le code minier, il vient s'ajouter à une stratégie de développement du pays. Et ce code minier de 2002 n'était pas en image de ce que ça devait apporter au développement du pays. Et donc, nous, la société civile, nous avons fait des ateliers pendant, avec Isaac, etc., pendant des années, en parallèle de cette révision, et nous avions apporté 413 modifications. Je les résume en deux mots. Il y avait bien sûr le problème de la redevance minière, il y avait le problème de la gestion des carrés miniers, il y avait le problème des coopératives ASBL, aujourd'hui, qui sont l'élément le plus important du développement du pays, parce que c'est eux qui sont dans la pauvreté. Et puis, je vous dis, il y avait toute une séance. Donc vous le schéma, c'est là que je veux vous expliquer. Allez-y, parce qu'on n'a pas... Avant d'arriver à la modification à l'Assemblée nationale, ce document est passé dans les mains de la Chambre des mines, dans lequel c'est dirigé par les entreprises minières. Donc, eux, tout ce qui ne les arrangeait pas, ils l'ont supprimé. Il est passé dans les mains de la FET, ce organisme qui est surtout géré par les partenaires, sauf maintenant les Chinois ne sont plus dedans, qui ont aussi enlevé des éléments de notes. Puis, il est arrivé sur le bureau de M. Matatapoulou, qui a enlevé des éléments, avant d'arriver à l'Assemblée nationale. En fin de compte, à part le problème de la redevance, l'affectation auprès des localités, etc., quelques éléments ont été pris en considération. Six éléments sur les 113. On va revenir un peu tout à l'heure pour parler des communautés. Professeur, vous avez entendu tout ça. Je vous ai laissé en dernier lieu pour parler, nous expliquer le code minier, pour nous dire, vous, en tant qu'enseignant, si vous devriez nous dire quels sont les changements majeurs que ce nouveau code minier a apporté à la RDC.
Merci. Je tombe d'accord avec tous les collègues qui sont intervenus. Bien entendu, en commençant par Jean-François, je dis effectivement, le code minier de 2002 était un code minier imposé. Mais il faudrait quand même avouer que celui de 2018 est un code minier plus ou moins approprié par les Congolais avec plusieurs mécanismes de participation de plusieurs acteurs. Que ce code a été moncelé jusqu'à arriver au Parlement. Il y a eu des... Mais ça fait partie de la participation. Ça ne devait pas être déséquilibré. Il faudrait que les opérateurs économiques y trouvent leur compte, les communautés locales, ainsi que les institutions publiques. C'est la raison pour laquelle c'est passé par toutes ces étapes. Alors, je voudrais rajouter par rapport à ce que Maître Dany a dit. En réalité, la modification du code minier portait sur 6 piliers. Je ne vais pas tout répéter, si faute de temps. Donc, il y avait 6 piliers qui étaient visés pour la modification du code. Je ne vais pas tout répéter ici. Mais de manière générale, je peux noter qu'il y a eu des modifications au niveau de l'éligibilité au titre minier, au droit minier. Avant, les personnes physiques pouvaient être éligibles. Il y avait trop de porteurs de mallettes qui venaient, prenaient des titres, disparaissaient et revendaient dans la bourse, ainsi de suite, sans qu'on sache ils habitent où, ils vont où. Ça a été modifié. Désormais, ne peut être éligible au titre minier que les personnes morales. Donc, on n'accepte plus des personnes privées. Alors, je peux également évoquer l'aspect de l'exploitation artisanale. Vraiment, grosso modo, actuellement, parce qu'avant, tous les artisanaux des personnes physiques étaient en désordre sur le terrain, en train d'exploiter chacun sa manière pour son compte. Maintenant, même si ce n'est pas vraiment appliqué, l'exploitation artisanale n'est autorisée qu'aux coopératives. Seules les coopératives peuvent exercer l'exploitation artisanale. Mais les coopératives comprennent en leur sein ce qu'on appelle des artisans, des créseurs, qui, eux, obtiennent des cartes au niveau de la province. Ça, c'est une innovation. D'autres innovations, peut-être mineures, c'est qu'on voyait bien que beaucoup de sociétés venaient ici, ils exploitaient, ils n'avaient même pas de siège. Maintenant, le code impose à ce qu'on ait un siège, qu'on construise un siège au lieu d'exploitation. Donc, si vous exploitez à Kibali, par exemple, Kibali, vous exploitez, vous devez construire un siège là où vous exploitez, ou au chef-lieu de la province. Je voudrais en arriver à l'essentiel. Mais l'élément principal sur lequel la modification a eu lieu tournait plus autour de la fiscalité. Enfin, tout le regard était focalisé sur la fiscalité, oubliant parfois certains autres aspects. Et sur le plan de la fiscalité, plusieurs taux ont été relevés, et on parle beaucoup du point sur la redevance qui, comme on le disait tout à l'heure, existait déjà, mais le taux a quand même augmenté. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent, y compris les membres du gouvernement, c'est que la redevance n'est pas un don. La redevance est déductible sur l'impôt. Ça veut dire que quand on paie la redevance en avance, en fin d'exercice, on déduit ça. Ça a toujours donné l'impression comme si la redevance, c'est l'argent que l'opérateur donne à l'État. L'État s'en sert de n'importe quelle manière. Mais non, c'est déduit sur, en fin d'exercice, sur leur... Sur les bénéfices. D'accord. Alors, je voudrais également ajouter un autre élément, la clause de stabilité. C'est sur ça que le contentieux est suspendu. Il y avait dans le code de 2002 la clause de stabilité qui voulait qu'on donne à un opérateur minier 10 ans, 10 ans de stabilité. Ça veut dire qu'on appliquera les règles du code minier pendant 10 ans, même si celui-ci est modifié. Contrairement à ce qu'on avait fait croire, il n'était pas interdit de modifier le code minier de 2002 en 2005, 2000, il ne fallait pas attendre 2012. Ce qu'on disait, c'est que même si on le modifie en 2005, nous sommes en 2002, ceux qui avaient bénéficié des avantages de 2002 doivent le continuer jusqu'en 2012, ainsi de suite. Il n'était pas interdit de les modifier. Alors, mais cette loi, même si elle a été promulguée, monsieur Okenda, quelles sont les difficultés que cette loi, vous êtes expert, a eu à se mettre en place à ce jour depuis 2018? Alors, merci pour la question. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais uniquement évoquer quelques difficultés. L'enjeu d'un code, ce n'est pas pour la RDC. C'est le devoir à la fois, surtout, prenons la section fiscalité, comme l'a dit le professeur, qui a fait l'objet des relèvements de taux et l'inclusion de nouveaux instruments fiscaux, c'est-à-dire que des impôts et tout ce qu'on peut laisser, tout ça. L'enjeu, c'est d'être à la fois en mesure de garantir que l'État prélève une part importante, sinon juste, de ce que la mine génère comme richesse, mais à la fois être en mesure d'attirer les investissements. Ça c'est l'enjeu. Et ça, aujourd'hui, c'est le défi du code minier congolais. Donc, comment on peut assurer que on met en place
des instruments fiscaux, c'est-à-dire la fiscalité, dans les codes miniers, tout en évitant de brider toute perspective d'investissement dans les secteurs. Donc, pour moi, aujourd'hui, franchement, s'il y a un défi, le premier défi aujourd'hui, c'est à ce niveau-là. Nous sommes en train de nous réaliser que le code de 2018, bien que personnellement, je n'étais pas pour la fiscalité, et même sur le clause que le professeur évoque à suite de ça, nous sommes dans l'industrie minière. L'industrie minière n'est pas seulement une question congolaise. L'industrie minière, un projet minier a une structure transnationale. Il n'y a pas une mine qu'on fait seulement les affaires au Congo. Quand vous avez une mine au Congo, la mine est au Congo et vous avez toute la chaîne qui va quitter du Congo jusqu'à ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Donc lorsque vous êtes dans un projet minier, rendez-vous compte que vous n'êtes pas seulement au Congo. Donc, on a affaire avec des réalités, des évidences qui sont dans la transnationale. Le problème aujourd'hui avec le code, le défi à ce niveau-là, c'est que le code a tourné des objectifs qui n'ont pas permis à l'État d'avoir des investissements. Aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement dans les secteurs. Justement, maître. Et ça, je voulais ajouter la suite de ça. Et ça, c'est un point important. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans la pratique? C'est qu'on voit dans la pratique que les gens qui sont là, les sociétés qui sont là, produisent. On peut nous payer la redevance. On peut relever la redevance autant qu'on voudrait, même à 100% sans payer, aller, tout ça. Mais il faut être à mesure des garanties que demain, on aura aussi d'autres nouvelles mines. Or, pour avoir de nouvelles mines, il faut qu'il y ait de l'investissement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens collectent le revenu au Congo, ils vont investir dans d'autres pays. Parce que, comme le prof l'a dit, je crois que le gouvernement a pris une bonne option d'adopter une approche inclusive dans la révision en associant d'autres parties. Mais la difficulté a été qu'on a pris dans les codes miniers, personnellement, je me dis qu'il y a eu, à un moment donné, on en a fait un problème politique, un peu un problème de assez souvent chez nous. On a été un peu... on est tombé dans l'émotion du nationalisme. Donc, on a une tendance de nationalisme côté minier qui a pur effet aujourd'hui. Nous, on le disait à l'époque, qui a effet aujourd'hui qui fait qu'il n'y a pas d'investissement. C'est-à-dire en réalité que s'il n'y a pas d'investissement aujourd'hui, on n'a pas de revenus minières demain. Donc, pour moi, ça, c'est une difficulté. Mais si vous permettez, je vais revenir sur une autre difficulté. Allez. La deuxième difficulté, ça, ce n'est pas le code. Nous l'avons toujours dit. Le problème que le code minier, que le secteur minier fait face, n'est pas seulement un problème de loi. La loi n'est qu'un petit outil. Le problème, c'est la capacité de l'État congolais à réguler le secteur minier, à superviser les opérations. Ce défi structurel et systémique lié à comment on assure. Vous avez trois opérateurs miniers. Qui est en train de faire la supervision? Qui supervise la production? La qualité de faisabilité qui sont soumises? Qui supervise toutes les questions d'exportation? Pour nous, on a toujours l'impression, et moi j'ai l'impression toujours en disant, oui, le code ne vient pas résoudre le problème, des défis de gouvernance. Et aujourd'hui, quand vous faites l'évaluation du code minier, je vais vous donner une disposition. Vous avez dans le code minier une disposition très importante d'ailleurs, une innovation, parce qu'il y en a nombreuses, qui a porté sur la transformation locale des minéraux. Parce que l'idée était qu'on ajoute la valeur ajoutée. Donc il y a une obligation dans le code qui dit toujours que les sociétés minières doivent présenter le plan de transformation locale. Montrer en fait, vous quittez de l'extraction, vous devez transformer. Combien de sociétés ont déjà fait ça? Alors on va pas monopoliser la parole, on va revenir à vous, maître Daniel Lekou. Vous avez été pendant longtemps conseiller juridique de l'ancien ministre des Mines, madame Antoinette Dinsamba. Vous, est-ce que vous confirmez que depuis, vous avez été au ministère, de difficultés à avoir de nouveaux investisseurs dans ce domaine? Sinon, c'est quoi leur peur, vraiment? C'est exact, ce qu'il vient de dire, c'est que ce n'est pas seulement le problème du code minier. Ça, vraiment, c'est exact. C'est un problème lié à la gouvernance en général dans notre pays. C'est-à-dire, lorsque nous avons des opérateurs miniers par milliers dans le pays, lorsque les études de faisabilité sont réalisées, au niveau de notre administration, nous avons une commission d'évaluation des études de faisabilité. Toute étude doit passer par cette commission, obtenir un avis de conformité favorable pour que, en définitive, avec les autres avis, on puisse octroyer un permis d'exploitation. Lorsque vous voyez beaucoup de permis d'exploitation existants sans études de faisabilité ou sur base des études de faisabilité fantaisistes, si bien qu'en réalité, le gouvernement est dans l'incapacité d'évaluer la valeur des gisements qui sont logés dans des périmètres dont les permis d'exploitation sont octroyés. Parce que dans une étude de faisabilité, les réserves sont quantifiées.
lorsqu'on quantifie les réserves, on peut suivre l'exploitation de l'opérateur. Parce qu'on a toutes les statistiques d'exportation. On peut suivre, on peut dire, cet opérateur, son gisement a autant de milliers de tonnes de cuivre, par exemple. Et qu'avec les services de mines, les statistiques d'exportation renseignent que 15 ans durant, on a exporté autant. Donc, la mine doit avoir été épuisée. Mais il y a l'exploitation qui continue, ce qui veut dire qu'il y a eu des mensonges dans l'étude de faisabilité. C'est l'étude de faisabilité qui est le document à la base de l'octroi d'un permis d'exploitation. Mais c'est juste qu'on ne comprend pas comment l'étude de faisabilité accompagne ou rassure les investisseurs pour venir investir en RDC. Non, au fait, qu'est-ce qui se passe? Vous sollicitez un permis de recherche. On vous octroie un permis de recherche pour une validité de 5 ans renouvelable. Vous menez des recherches sur votre permis, vous documentez, vous menez des études, vous documentez le permis. Vos études doivent prouver, mettre en évidence un gisement économiquement exploitable. C'est l'opérateur qui mène cette étude de faisabilité et qui présente cette étude à l'administration. Cette étude est examinée. Si elle est approuvée, c'est sur cette base, avec d'autres avis sur l'environnement, etc., qu'on délivre le permis d'exploitation. L'État se rassure que les recherches ont été menées sur ces périmètres. Un gisement a été découvert avec autant de tonnes de minerais. Les procédés de traitement qui seront utilisés sont ceux-ci, d'extraction sont ceux-ci. Et avec la commercialisation, on va gagner cela et la République va trouver son compte avec ceci. C'est ça l'étude de faisabilité. Et c'est convaincu par cet élément que l'État délivre un permis d'exploitation. Mais il n'y a pas de suivi. Tant qu'il n'y a pas de suivi, il y a des évaluations fantaisistes. Pourquoi il n'y a pas de suivi? Mais ce sont des problèmes structurels, comme il a dit. Ce sont des problèmes gouvernance qui sont dans tous les secteurs, ce n'est pas seulement dans les secteurs de mines, qui doivent être combattus. D'accord. L'administration de la RDC en général a des problèmes. Ok, d'accord. On va y revenir peut-être. Mais on va revenir à vous, prof. Monsieur Arménian, vous êtes resté un peu... je ne vous ai pas donné la parole depuis longtemps. Mm-hmm. J'aimerais beaucoup que vous parliez de la population qui se retrouve ou pas dans ce que les gens qui sont assis sur cette mine d'or se plaignent, qu'ils ne se retrouvent pas. Est-ce qu'il y a des choses qui devaient être faites, qui n'ont pas été faites dans ce code minier, par exemple? Oui, absolument. Mais si vous permettez, je voudrais répondre à un point qui vient de soulever. Oui. Comme la République démocratique du Congo n'a pas de service pour évaluer ce qui va se mettre en place, si j'ai bien compris, ses réserves. Quand elle donne un permis de recherche, c'est la première étape, avant d'arriver à un permis d'exploitation, il y a un permis de recherche. Quand elle donne un permis de recherche à une société étrangère, qui n'est pas forcément même celui qui va faire le projet final, la finalité dans l'étude de faisabilité, c'est de ne pas dire tout ce qu'il y a. Si vous êtes d'accord avec moi. C'est de ne pas dire ce qu'il y a. Ben, quand on fait des sondages en géologie, si on fait les carottages, pour définir dans le permis de recherche, on va définir aujourd'hui quelle est la réserve qu'il y a dessus, puisque l'entreprise qui va investir a besoin de savoir quelle est la capacité de production qu'elle va pouvoir faire. Mais comme il y a dans l'étude de faisabilité, parce qu'il y a un autre point particulier, il faut savoir que les sociétés qui vont se créer, d'abord, je viens de le dire, ceux qui font la recherche géologique ne sont pas forcément la structure finale qui va faire l'exploitation minière. Et je ne vais pas sur la phase finale qui va demain même exporter le produit. Il peut y avoir différentes structures qui vont se mettre en place. Donc, celui qui a fait les études géologiques, qui va les donner un nouveau partenaire. Parce qu'il faut qu'on parle aussi du montage des sociétés minières. Comment se crée une société minière? Qui sont les acteurs qui vont composer cette société minière, qui vont intervenir? Ils ne vont pas donner les informations. Je vous dis, j'ai passé 46 ans dans ce pays et dans d'autres pays africains. Les gens, quand une société, ce sont souvent des étrangers, vont apporter des éléments pour pouvoir développer le projet auprès de l'État, ça veut dire l'étude de faisabilité qui est remise pour avoir l'agrément. Ce n'est pas forcément, et là je vous parle, l'ayant vu moi-même, ce n'est pas forcément les études géologiques
se sont apportés aux partenaires investisseurs à la levée des fonds à Toronto ou ailleurs. Là-bas, on va déclarer des éléments pour avoir des fonds, mais pour la RDC, on va déclarer le minimum de la production. C'est l'exemple de 6 communes, etc. Vous connaissez tous les problèmes qu'il y a pu avoir. Voilà un des points importants que je voulais compléter ce que vient de dire ici notre avocat. Voilà, c'est fait, donc la population ne se retrouve pas. La population. Alors, ça c'est pour compléter, le dire oui. Là-dessus, c'est toute une chaîne, c'est structurel, ce n'est pas que structurel du fonctionnement de la RDC, c'est structurel à comprendre, et là je vais être vraiment aller au point du sujet, c'est que les gens du ministère des Mines et de l'industrialisation, j'en dirai un mot tout à l'heure si vous le permettez, d'accord, parce que ça a été soulevé, c'est deux choses différentes. Le code minier, il est là, je vais le dire tout de suite, parce qu'il faut que ce monde puisse comprendre. Dites-le, dites-le, parce que vous ne dites toujours pas, allez-y. Le code minier, il est fait pour gérer l'extraction minière. La recherche, la géologie, l'attribution des titres miniers, etc. Il n'est pas fait pour faire l'industrialisation. Même si dans le code minier, on l'a dit, il faut transformer le produit. Moi, je peux vous donner 20 exemples de majors de l'industrie, je dis bien les majors, qui veulent venir à la RDC. Je pense que vous avez tellement de choses à nous dire. On aimerait bien avoir une émission avec vous, juste vous, voilà. Donc, pour nous parler de tout ça. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Ouais. Alors, aujourd'hui, un des éléments premiers, quand on a fait le code minier de 2002, on a créé les coopératives minières à SBL. Elles n'étaient pas faites pour encadrer, j'étais moi là dans l'équipe, elles n'étaient pas faites pour encadrer les creuseurs pour travailler. C'était fait pour développer des activités communautaires, de faire des centres de santé, pour aider la communauté qui travaille. Est-ce que c'est fait depuis 2018? Non, c'est toujours pas fait, parce qu'il y a toujours les coopératives. Alors, le code minier de 2018 a mis en plus a tout confondu, puisqu'ils ont mélangé les coopératives à SBL avec l'histoire des coopératives au ADA. Ok, très bien, très bien. Je vous laisse réagir, vous professeur, oui. et vous après, allez-y. Sur quelle question réagissez à ce que monsieur vient de dire tout à l'heure. Alors, je vais réagir à la question qui dit, parce que finalement, l'année passée, j'ai complété une étude sur la rationalisation de la politique publique de la RDC en matière de secteur artisanal. Tout ce qu'il faut dire, je crois que Maître l'a dit, et même le prof l'a dit autrement, quand vous lisez très bien le code minier, l'objectif majeur que nous avons en réforme, c'était beaucoup plus pour aider l'État à croître le revenu. Donc, il y a eu la réforme sur l'exploitation sur l'exploitation artisanale, mais vraiment, ce n'était pas vraiment le focus, en fait, quoi, de la réforme. Au point quand, j'essaie de comparer la réforme minière à Zambie, sur le coopératif minière. En Zambie? Zambie, donc Zambie, Libéria, Ghana et RDC, pour juste voir quand même, vous avez tellement de barrières au jour d'aujourd'hui, des barrières administratives, des barrières fiscales, des barrières opérationnelles à tous les niveaux, qu'on peut véritablement arriver à une coopérative. Tenez, la taxe pour l'agrément de coopérative, je parle sous la supervision de quoi de mettre ici, la taxe sur seulement pour l'arrêter, je dis uniquement pour l'arrêter, c'est 5 000 dollars américains. 5 000 dollars américains qu'il faut payer à la DGRAD pour avoir finalement quand même l'agrément de l'arrêté des coopératives. Il faut payer une taxe similaire au niveau de la province, 2 500 dollars américains. Okay? Quand vous ne prenez que ça, vous ne vous mettez pas dans la perspective de dire que si vous voulez former une coopérative, une société coopérative bien entendu, si on revient à la forme WADA, vous avez besoin des statuts. Vous aurez besoin de l'expertise de maître ou d'un avocat ou d'un juriste qui doit vous accompagner pour tout ça. Vous avez tout le processus qu'il faut faire. Pourquoi j'évoque ces éléments-là? Je vois que ces éléments-là pour montrer un peu les cohérences entre, d'une part, un certain niveau d'objectivité en disant nous voulons créer les coopératives pour développer les communautés locales, et d'autre part également quand même des barrières qui sont administratives et financières. Parce que vous réalisez quand même que si vous rentrez dans une zone, dans les milliers, donc vous allez un peu partout, dans n'importe quel village au Congo, qu'est-ce qui est venu au Congo, vous voyez des creusers paysans réunir 5 000 dollars américains. Elle est revenue 2500 dollars américains pour avoir la promo. Donc, pour moi, en réalité, pour moi, je vais conclure sur la question de l'artisanat. L'artisanat, je crois qu'il y a eu une ambition du Congo, mais mal exprimée. Pour moi, ma conviction est qu'il nous faut arriver vers une politique rationnelle. Il faut que nous puissions nous mettre d'accord sur ce que nous voulons faire de notre artisanat. Je l'ai dit, vous comparez tous les autres pays, vous ne trouverez pas un seul pays dans lequel vous avez un taux.
vous avez des taux excessifs en termes d'imposition imposée c'est un problème du code minier. Oui, mais exactement, parce que le taux n'est pas fixé par le code minier. Oui, mais c'est pas le règlement. Le taux prévoit, par exemple, c'est un arrêté interministériel mine finance qui fixe le taux. Donc, on peut revoir le taux à la baisse, tout comme on peut le voir à la hausse. Je pense que le problème n'est pas au niveau du code minier par rapport au taux. Mais ce que je voudrais attirer l'attention de M. Arménien, c'est que, au fait, les organisations non gouvernementales ne légifèrent pas. L'AFEC ne légifère pas. Si le gouvernement adoptait une approche inclusive pour avoir le point de vue de chacun, il ne faudrait pas qu'on soit frustré du fait que certains points de vue n'ont pas été pris en compte. Parce qu'au fait, c'est l'État qui légifère. Et l'État avait, sur base de ce projet, son droit de faire son arbitrage. L'État légifère aussi par rapport aux besoins de la population. C'est ça, justement. Ce besoin est exprimé. Ça n'exclut pas le droit de l'État de faire son propre arbitrage et ses appréciations. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes... Oui, allez-y. Vous avez parlé tout à l'heure, maître. On va juste marquer une pause. Je vous rappelle donc que vous suivez Choc d'idées. Aujourd'hui, nous parlons des enjeux et défi du nouveau code minier en République démocratique du Congo. On va faire une pause et puis on se retrouve tout de suite après. Quelle est ta définition à toi de Kinshasa Télévision? Envoyez votre vidéo par WhatsApp au numéro qui s'affiche sur votre écran. Au cœur de Kinshasa, une voix s'élève. Reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Ouais. Ok. Kinshasa Télévision, bonjour, ça va? Notre véritable visage, nous racontons notre voyage. Ouais. En couleur vive et éclatante. Votre vidéo sera publiée sur notre chaîne YouTube. Apportons la vérité. Prenez votre téléphone, filmez-vous et définissez Kinshasa Télévision. Selon vous, et les trois gagnants recevront chacun $100 de la part de Kinshasa Télévision. J'attends vos vidéos. Nous sommes Kinshasa, nous brillons si fort. Nous continuons Choc d'idées sur Kinshasa Télévision. Bon retour. Nous parlons donc des enjeux et défis du nouveau code minier en République démocratique du Congo avec mes invités. On va revenir à vous tout à l'heure, professeur, parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas encore pris la parole. J'aimerais bien que vous puissiez réagir à ce qui vient d'être dit tout à l'heure par les deux intervenants juste devant vous. Professeur Sakata. Alors, j'étais en train de dire qu'il faudrait que l'on se mette bien d'accord. L'idée du législateur en instituant l'exploitation artisanale ne visait pas d'assurer le développement des communautés locales, en fait. Mais comment ça? Et ça, je vous l'ai dit. Le développement des communautés locales était visé par les 0,3% du chiffre d'affaires, les cahiers des charges, ainsi de suite. Ici, il y a eu des oppositions entre les secteurs industriels qui voulaient chasser les secteurs artisanaux, qui estimait que les secteurs artisanaux étaient de détruire l'environnement et ne fait pas entrer beaucoup d'argent à l'État. Alors, du côté du gouvernement, le gouvernement disait à l'époque qu'il faut considérer dans les secteurs miniers, sur les terres minières, que les populations qui vont faire l'artisanat sont semblables dans les autres milieux ruraux à ceux qui vont au champ. Ne pas les occuper, vous devez dire les exposer à faire des guerres. C'était plutôt politique, stratégique, je veux dire. C'est stratégique et provisoire. Parce que quand vous lisez l'ensemble du code minier, vous allez bien vous rendre compte que l'exploitation artisanale est d'une durée éphémère. Dès qu'on trouve un gisement ou un opérateur minier industriel qui est disposé à exploiter sur l'espace, du coup,
les artisanaux peuvent être mis de côté. Ou migrer vers la petite mine. Migrer vers la petite mine par eux-mêmes. En fait, voilà. L'idée, c'est que même les artisanaux peuvent migrer vers la petite mine et de la petite mine, ils vont en industrialisation. Mm-hmm. Donc, somme toute, l'idée même du léchateur n'était pas de conforter l'exploitation artisanale. D'autant que, contrairement à ce que j'ai entendu dire ici, les coopératives auxquelles l'on fait allusion ne sont pas des coopératives as-belles, hein, absolument pas. Ce sont des coopératives régies par le droit OADA et ils peuvent même être considérés à certains égards comme étant des commerçants si l'activité qu'ils exercent est une activité commerciale. C'est peut-être un peu technique, mais les coopératives qui sont visées par l'exploitation artisanale ne sont pas des coopératives as-belles. Vous devez vous construire d'abord en société et les ministres vous accordent un agrément. Donc, vous pouvez vous constituer d'emblée, les ministres vous accordent un agrément comme étant une reconnaissance dans le secteur minier. Alors, en ce qui concerne les défis, tout à l'heure, comme on disait, il y a un autre défi qui est relevé ici, c'est que le secteur de mine n'avance pas, ce n'est pas forcément à cause du secteur minier lui-même, mais également à cause du déficit énergétique. Parce que l'exploitation minière exige beaucoup d'électricité, mais nous sommes en déficit. On parle de la transformation, oui, le code prévoit que dans 3 ans, il fallait qu'il y ait transformation, mais on va transformer, oui, certains sont de bonne foi, mais avec quelle énergie ? Ça aussi, c'est un boulot d'entreprise. Mais est-ce que ce secteur, Maître Dany, le secteur minier, d'un autre côté, ne peut pas financer l'électrification du secteur minier avec ce que cela rapporte ? Ouais, c'est une bonne approche, mais qui doit s'inscrire dans, en tout cas pas dans le court terme. Parce que lorsque quelqu'un conçoit son investissement, il n'est pas, voilà, le cas des Sicomines qui a été évoqué. Lorsque le plan d'action avait été conçu, au fait, l'État devait approvisionner la mine en électricité pour atteindre le seuil de 400 000 tonnes par an, etc. Et ça n'a pas marché. Avec ces communes, ça n'a pas marché, au point qu'il a fallu revoir l'investissement pour injecter encore de fonds pour la création de la centrale hydroélectrique de... Le nom m'échappe. Vous voyez ? Donc, ce sont de gros investissements. Aujourd'hui, on peut dire que chaque opérateur minier qui vient, lorsqu'il mène son étude de faisabilité, il doit, par exemple, prévoir la quantité d'énergie électrique nécessaire pour le développement du projet et prévoir la source d'approvisionnement. Mais ça sera vraiment dissuasif pour les investissements. Alors, le président de la République, quand il arrive au pouvoir, dit qu'il veut créer des millionnaires en RDC. Question, est-ce qu'avec le nouveau code minier de 2018, cela facilite la création des millionnaires, surtout quand on sait, comme vous avez dit, qu'il est difficile pour des individus de travailler ou d'investir comme individus dans l'exploitation minière. Est-ce que vous pensez que c'est compatible avec l'ambition du président de la République de faire des millionnaires congolais? Vous voulez parler? Oui, oui. Moi, je vais vous répondre. On ne vient pas... On peut devenir millionnaire. Il peut y avoir des millionnaires aujourd'hui en RDC qui viennent du secteur minier, mais pas par l'extraction minière, par la transformation minière, par l'industrialisation des ressources. C'est là où vous faites la plus-value qui va permettre aux personnes eux-mêmes, aux actionnaires, aux associés des sociétés, de pouvoir devenir des millionnaires. Mm-hmm. Et je fais la liaison avec... le projet de la régulation de la sous-traitance. Ce n'est pas aujourd'hui cette activité-là qui va faire des millionnaires. Pourtant, on y croit. On dit que c'est... Vous verrez. C'est pas ça qui va créer des emplois. Parce que les emplois, on les enlève à la société étrangère qui avait la sous-traitance, on les donne à une société congolaise, et la société congolaise n'a pas le personnel, il va récupérer le personnel. Et je dirais même mieux que souvent... ceux qui ont vraiment la compétence pour être sous-traitants, ils n'ont pas la capacité financière, ils n'ont pas le matériel. Donc ceux qui font aujourd'hui dans la sous-traitance, je vous dis, demandons un audit des résultats réels de ce que ça apporte aujourd'hui la sous-traitance. Voilà ce que je voulais dire dessus. Mais si vous le permettez, je vous ai un point important pour les spectateurs. Le professeur vient de le dire tout à l'heure, je crois qu'il n'a pas compris ce que j'ai voulu dire dans l'apport communauté. Il vient de dire que dans le nouveau code minier, les coopératives sont devenues des coopératives SARL OADA. Moi, je faisais le point de 2002.
quand on a créé les coopératives à SBL, on était dans un contexte où l'État n'avait pas d'argent, il fallait redémarrer l'économie rapidement, et il fallait surtout apporter des solutions aux populations, l'eau, l'électricité, etc. Et donc, comme l'État n'avait pas des moyens financiers, on a fait la loi sur les ASBL, coopératives ASBL, en disant aux sociétés d'ASBL, faites des projets pour encadrer les creuseurs, on avait donné les cartes, et allez vous-même, faites les ASBL, associations à but non lucratif, allez vers des partenaires à l'international ou ailleurs, pour pouvoir apporter des dons, des ressources financières, etc., pour encadrer la population. L'ASBL conçue en 2002, c'était pour encadrer, améliorer la vie des artisanaux. La vie sociale, la vie familiale, ce qui n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et regardez, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des points positifs financiers, etc. Mais apparemment, et vous ne le dites pas, hein, des points positifs de ce côté. Non, non, il y a des points positifs, on vient de le dire, dans l'augmentation, etc. Mais dans le côté du développement du secteur minier, là, il n'y a pas, ça a été dit, parce que ce n'est pas un problème, et vous avez absolument raison, ce n'est pas un problème du corps de minier par lui-même, c'est une stratégie, j'allais dire, une politique publique du développement du secteur minier. Okay. Dans lequel il y a une politique publique qui se met en place, et pour la suivre, on va mettre en place des textes et des lois. Ça se voit que c'est un grand sujet, hein. C'est vrai que ça, c'était juste un petit bout qu'on a pris comme ça. Réagissez à ma question sur... Oui, maître, vous voulez encore réagir Sur l'artisanat, je voulais rebondir un peu sur l'artisanat. Vous n'êtes pas obligé de toucher les micros. Ah, exactement. Ouais. Allez-y. Vous voulez réagir sur l'artisanat? Oui. Moi, tout ce que je regrette, c'est que le mécanisme mis en place par le législateur a été dévoyé. Ce à quoi on assiste, ce n'est pas ce à quoi le législateur avait en vue en prévoyant tout ce qu'il a mis en place sur l'artisanat minier. Qu'est-ce qui a été mis en place? Le professeur l'a dit. Il faudrait chercher à créer un équilibre, parce que la frustration qui devrait naître d'une sorte d'éviction des ayants droit foncier ou tout ça, des ayants droit coutumier sur les sites aujourd'hui qui abritent des mines, ça pouvait avoir des conséquences dévastatrices. Il fallait, en un moment donné, créer l'équilibre. Il fallait regrouper les artisanaux au sein des coopératives. Et parmi les griefs qui étaient portés contre l'artisanat minier, c'est la dégradation de l'environnement. Des mécanismes ont été mis en place parce que le même environnement est aussi dégradé par l'exploitation industrielle. Mais là, il y a des mécanismes de réhabilitation de l'environnement. C'est ainsi que même pour le cas de l'artisanat minier, il fallait créer des zones d'exploitation artisanale sur base des données pertinentes fournies par le Service géologique national du Congo, qui devrait attester qu'ici, il y a un gisement qui peut être exploité artisanalement. On crée une zone d'exploitation artisanale, on regroupe les artisanaux dans cette zone, ils exploitent, et à la fin de l'exploitation, et que lorsqu'ils exploitent, ils devraient aussi mettre quelque chose de côté pour la réhabilitation des zones d'exploitation artisanale, de la même manière que les industriels. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est des coopératives minières mal-être. Peut-être le mal vient du taux élevé de la taxe d'agrément, peut-être, parce qu'il faudrait payer de cartes d'exploitants artisanaux, il faudrait créer la taxe d'agrément. Et c'est à quoi on assiste aujourd'hui. Ce sont des personnalités qui créent des coopératives minières. Au lieu que des coopératives minières soient les regroupements des artisanaux, mais ce sont des personnalités qui créent des coopératives minières. Il a son document, il va sur terrain, il recrute les gens qui viennent là, ils font semblant d'exploiter artisanalement. Et la nuit, ce sont des bennes et des véhicules qui viennent pour exploiter industriellement. Tout ce qu'on veut, c'est de dire à l'administration que les minéraux que voici proviennent de l'exploitation artisanale, alors que dans la réalité, c'est l'exploitation industrielle. La conséquence malheureuse, c'est que les artisanaux n'y trouvent pas leur compte. C'est à une sorte de chosification qu'on assiste aujourd'hui. Des gens qui vous travaillent matin, soir, pour des revenus très modiques, alors que le législateur voulait qu'ils se regroupent, qu'ils exploitent et que chacun tire le parti qui convient. Merci. On revient à ma question. C'est très important. Je sais pourquoi j'ai posé cette question. Est-ce que la nouvelle loi, professeur Sakata, vous pensez qu'elle favorise la vision du président de la République de créer des millionnaires congolais dans les secteurs des mines? Et en quelque sorte, je peux dire oui, parce que Jean-François vient de dire, mais
il faudrait nécessairement qu'on passe par la transformation et l'industrialisation. Mais je pense aussi que le président de la République, en le disant, visait aussi, parce que dans le code minier, il y a une disposition, je crois que c'est l'article 71, qui a été introduit, qui veut que lorsque un titulaire qui avait un permis de recherche passe en phase d'exploitation, dans la création de sa société, il y a l'obligation est faite d'avoir que 10% du capital appartienne au Congolais. Personne physique. Comment ? Personne physique. Personne physique. Donc quand vous créez une entreprise, il faut qu'il y ait au moins un Congolais qui participe à 10%, c'est ça ? Oui. Un ou plusieurs Congolais, mais le minimum de leur part sociale. Leur quota, ouais. Et ça doit être des personnes physiques, en fait. Mm-hmm. Bon, mais je ne sais pas... Oléko peut bien nous les dire. Je ne sais pas quelle année le contrôle qui peut avoir été fait, mais ce n'est pas tellement le ministère des Mines. Hein. Ça, c'est le ministère du portefeuille également. Mais y a, à part ça, le code prévoit, vous parlez du relèvement ici, c'était plutôt la cession à l'État. On avait d'abord, sous 2002, c'était 5%. Maintenant, c'est 10%. Donc, ces titulaires-là qui passent en phase d'exploitation sont également obligés de céder à l'État. 10%. Donc, dans chaque société minière qui est en phase d'exploitation aujourd'hui, l'État est supposé avoir 10%. Les 10%, on suppose donc qu'il s'agit de droits de vote, mais les droits sur les dividendes. Mais est-ce que les différentes entités, les institutions nationales qui ont en charge cette matière, suivent-elles cette situation pour vérifier si, en fin d'exercice, on reverse à l'État au cas où il y aurait effectivement... Alors, il y a un petit souci là. D'un, ce code minier fait en sorte que les investisseurs... Ils sont réticents pour venir investir en RDC. Après, donc, il y a moins d'exploitations minières, moins d'opportunités pour les entreprises. Après, il y a un problème de rentrée de devises étrangères. Mais après, on voit que le budget de l'État, il passe de 5 000 à, je ne sais pas combien, 15 milliards. 15 milliards. Comment vous expliquez la participation, la contribution des mines en RDC aux recettes de l'État depuis 2018, vous pensez qu'elles ont augmenté ou baissé? Oui. Non, on ne revient pas en arrière. Répondez d'abord à ma question. Vous pouvez toujours revenir si vous voulez. Allez-y. Non, en fait, il y a une augmentation substantielle, une contribution qui est à la hausse, le secteur minier, à objet de l'État, parce que pour l'exercice l'année passée, le secteur minier a contribué à peu près légèrement un peu au-dessus de 50%. Combien? Au-dessus de 50%, on a à peu près plus de 5 milliards de dollars américains sont venus du secteur minier. Okay. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a quand même 5 milliards, bien entendu. Donc, de ce point de vue-là, on va dire quand même qu'on est un peu qu'il y a absolument comme un effet sur les recettes. Mais attention, comme nous l'avons dit, c'est un effet sur les recettes des mines existantes. C'est très important parce que l'idée ici, ce n'est pas seulement de collecter aujourd'hui, mais penser à qu'est-ce qu'on va collecter demain. Ça, c'est au moins l'élément que je peux dire à cette contribution. Deuxième élément, je voulais plus rapidement à votre question des millions. Franchement, moi, je ne sais pas très bien dans quel contexte, quelle est la philosophie de l'État autour des millions. Mais si je rentre dans l'artisanat, le prof l'a dit, il y a beaucoup d'éléments qui permettent justement, en fait, ce que j'ai parlé un peu des innovations sur le contenu local, que vous avez dit. Le prof a évoqué la question des cessions de 10% aux Congolais personnes physiques. Ce n'est pas des cessions gratuites. Ce ne sont pas des cessions qui sont libres de charges. À la différence des 10% de l'État qui sont des cessions sans charge, donc gratuites, on cède à l'État congolais. Pour les Congolais, personnes physiques, ce n'est pas gratuit. Ils doivent apporter. Exactement. Ouais. Et donc, c'est là où ça pose le problème maintenant d'opérationnalisation de code minier. Donc, vous avez à la fois des ambitions exprimées, mais on ne met pas le moyen pour y arriver. Donc, et du coup, on a une situation où on dit, mais en fait, il faut avoir l'argent pour le faire. Quels sont les Congolais? Quelles sont les mesures d'application ou des mesures qui accompagnent pour permettre que cette disposition effective et qu'effectivement, tout le Congolais... Pas seulement l'élite congolaise. Les acteurs politiques, non seulement qu'ils viennent puissent participer. Là, le problème, et au jour d'aujourd'hui, franchement, on a des difficultés. L'autre élément là-dessus, on a parlé, une innovation bien entendu, de l'intégration dans le code minier, maintenant la loi sur la sous-traitance. Totalement intégrée. Donc, dans le code minier. Le problème, il a dit, je voulais ajouter un commentaire là-dessus, tout ça, il a dit des éléments. Aujourd'hui, la définition de la sous-traitance en RDC comprend uniquement deux critères. Immatriculation. Donc, une société qui est immatriculée au niveau de la RDC. Deuxième critère, c'est la participation au capital social.
Si la société est détenue majoritairement par les Congolais, immatriculée au Congo, paf, on est sous-traitance congolaise, on remplit la définition et on accède au marché. Le problème, c'est qu'on a laissé l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est que le kit de la valeur ajoutée. C'est extrêmement important parce qu'en fait, je travaille sur dessus le projet d'études là-dessus pour comparer d'autres législations. L'élément principal, c'est la valeur ajoutée. Parce que ce qu'on arrive aujourd'hui, on arrive à des situations où nous avons en effet quand même donc deux Congolais, je vais dire la sous-traitance des commerçants congolais en quelque sorte. C'est-à-dire quoi? Vous gagnez un marché de sous-traitance, vous allez au Zimbabwe, vous achetez les marchandises, vous le revenez en RDC, vous le rendez à la société minière, je suis sous-traitant. La question essentielle, la richesse n'est pas dans les commerces, les services, d'aller acheter un bien en Afrique du Sud, venir au Congo. La question c'est que, quelle est la valeur ajoutée qu'on ajoute au Congo? Quelle est la valeur ajoutée? Et pour l'attention des téléspectateurs, je vais expliquer la notion de la valeur ajoutée rapidement, avec un exemple simple. Rapidement, s'il vous plaît. Vous pouvez cultiver des haricots. Mm-hmm. Vous avez des haricots. À l'état brut, si vous les vendez, vous vendez les haricots, vous livrez les haricots parce que vous êtes sous traitance congolaise, vous les livrez à qui? À une société minière. Ce sont des haricots. Mais si vous les mettez dans des boîtes, je vais juste un peu illustrer un peu quand même. Si vous le mettez les haricots dans la boîte, vous commencez à ajouter la valeur. Donc pour moi, en réalité, la question sur la sous-traitance, jusqu'aujourd'hui, et ce qu'on a le dire à chaque fois qu'il y a l'opportunité, dans le forum, c'est un beau pas que nous avons fait. Si nous voulons aller loin et nous voulons pleinement gagner en réalité, il faudrait que nous puissions inclure les critères de la valeur ajoutée. Ce qui permettrait même à une société étrangère, même à une personne étrangère, mais qui vient ajouter la valeur au Congo. Parce que l'enjeu, c'est là où on ajoute la valeur, c'est la richesse et c'est la transformation. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Je voulais répondre à une question que je trouve très intelligente, posée par M. Kenda. Il dit aujourd'hui, on fait des estimations, on dit le secteur minier a contribué au budget de l'État avec ceci. Mais cette contribution porte sur les mines disponibles. Qu'est-ce qu'il faut pour que la contribution soit perpétuée, qu'elle soit pérenne? D'abord, je pense qu'on ne peut pas fonder en réalité le développement d'un pays sur les mines, parce que le développement, c'est un processus continu, alors que les mines, elles sont épuisables. Par contre, les mines peuvent servir pour booster le développement. C'est pourquoi, à tout moment, il faudrait qu'à partir de mines, on puisse aller vers la diversification. Et c'est cette approche que nous avons adoptée dans la gestion de la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires. Je ne veux pas sombrer dans une sorte de congolo-pessimisme où nous voulons voir que tout ce qui est congolais est mauvais. Il y a des bonnes choses aussi. Par exemple, avec la dotation de 0,3%, je vais revenir brièvement. Mais la réponse à cette question, c'est que nous devons investir sur la recherche géologique. Parce que si les mines d'aujourd'hui passent et qu'elles sont épuisées, parce qu'elles sont épuisables, les substances minérales sont épuisables. Mais jusqu'aujourd'hui, notre pays n'est exploré qu'approximativement à 19% de territoire. Oui. Donc, il faudrait que le gouvernement investisse dans la recherche géologique. Et pour ça, d'ailleurs, le gouvernement dispose d'un établissement public chargé de la recherche géologique. On devrait avoir quelqu'un ici comme invité, mais qui s'est excusé en dernière minute. Ouais. Voilà. Sur ça. Ouais. Investir sur la recherche géologique pour connaître le potentiel minier dont nous disposons. Mm-hmm. Accroître la connaissance géologique de notre territoire national nous permettra de continuer à concevoir, à réaliser de projets et à booster notre économie à partir des mines. Mm-hmm. En ce qui concerne la cession des parts, si vous permettez, 10%, le professeur l'a dit, 10% d'actions ou parts sociales, du capital, au moment de la transformation d'un permis de recherche en permis d'exploitation, 10% doivent être réservés aux personnes physiques de nationalité congolaise. Bien sûr, il y a des lacunes, mais ces lacunes ne sont pas insurmontables, parce que le règlement minier prévoit que de ces 10%, 5% doivent être cédés aux personnes physiques de nationalité congolaise capables d'acquérir des parts. On ne va pas nous dire aujourd'hui qu'au Congo, il n'y a personne qui soit capable d'acquérir des parts, que ce soit de KCC ou de quelle autre société. Et 5% aux employés de la société. Il y a des mécanismes, on peut procéder à des regroupements des employés pour appliquer cette disposition et ça permettrait, dans ce contexte, à partir des mines,
de faire des millionnaires congolais. Alors, on va conclure. Là, je vais demander une réaction rapide de chacun avec cette... si vous voulez, c'est ça qui m'a inspiré à parler de ça. J'étais dans une discussion où on parlait justement de ce nouveau code minier parce que je voulais l'apprendre. Enfin, je voulais savoir ce que c'est. Et la personne me dit exactement ceci. J'aimerais que vous puissiez réagir à ces dires. Le code minier congolais est le meilleur héritage que l'ancien président Joseph Kabila aura laissé à la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, cela lui a coûté le départ à la tête de la RDC. Réaction par rapport à ces déclarations ? Très sincèrement, je ne crois pas à cette thèse-là. Je ne crois pas. Le code aujourd'hui, qui n'est pas une loi parfaite, il y avait beaucoup de problèmes dans le code minier. Aujourd'hui, c'était le problème, les défis que nous faisons, que nous rencontrons avec le code, sont plutôt ce fait même de la politisation, du code minier. C'est d'abord un secteur technique et un secteur vraisemblablement économique, la suite de ça. Je sais que la politique y est, mais il faut absolument simplement dissocier les questions politiques avec les questions techniques. Ça cause notamment des sens que nous avons un peu raté un certain atterrissage, un peu en douceur du code minier, dont on a débité pourtant bien. Donc pour moi, je ne crois pas à la thèse que voilà, c'est un héritage. On vous a évoqué de problèmes. Le code 2002, nous l'avons modélisé. Moi, j'ai eu l'avantage de faire la modélisation du code 2002 et du code 2018. Le code 2002 avait un taux qui était vraiment très bas en termes de prélèvements que l'État devait collecter de recettes, qu'on appelle chenou, tout ça. Mais au même moment, le Pérou, parce que le taux, quand on a fait un projet de prélèvement moyen, on a fait la modélisation fiscale pour regarder un peu un projet de couvre moyen en RDC, en termes de ce qu'il peut générer comme richesse, combien revient à l'État congolais, combien part à l'investisseur, parce que c'est la méthode d'ailleurs appropriée pour le faire. Lorsqu'on a fait à l'époque, on a constaté qu'en termes de taux effectif moyen de prélèvement d'imposition, comme on l'appelle chez nous, l'État congolais prendrait 49%. Avec les codes miniers de 2002. Ouais. Actuellement, avec les codes de 2008, en 2018, plutôt, allais-je dire, nous sommes quasiment à 69% des taux de prélèvement. Je dis très bien des projets de cuivre moyen. Et quand on va d'alors, on est même dans la proportion qui ne peut absolument pas permettre à ce qu'on puisse donc mettre en place un projet viable. Le problème à ce niveau-là n'est même pas, parce qu'à un moment donné, on a pensé que c'était un problème, n'est même pas là-dessus. Le Pérou, pendant ce temps-là, le Pérou avait un taux de position qui était à 49%. Mais collectait beaucoup d'argent plus que le Congo. Beaucoup d'argent plus que le Congo, tout ça. Et donc pour moi... Discours-là, pour vous, il ne tient pas? Non. Non, il n'y tient pas. D'accord. Pour moi, il ne tient pas. Voilà. Il ne tient pas. Je crois que c'est plutôt... C'est ce que je vous ai dit. Il y a eu un sentiment émotionnel, ce que j'appelle un peu... On est tombé un peu dans les sensationnels de comment je vais appeler ça, du nationalisme congolais. D'accord, là, très bien. C'est pas, Monsieur Arménien, apparemment, vous non plus, vous n'êtes pas d'accord avec cette assertion. Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté, je ne dis pas forcément congolaise, des opérateurs congolais gouvernementaux, c'est aussi une question de géopolitique aujourd'hui. J'ai voulu que les acteurs congolais qui pouvaient développer l'amélioration, ce qu'on disait tout à l'heure, de la plus-value sur la chaîne minière, ne soit pas fait par les Congolais, mais par les voisins. C'est là qu'il faut se dire la vérité. Je ne veux pas rentrer, ça serait loin, rentrer dans le départ, mais l'artisanat minier, c'est l'outil de développement de nos voisins. Et on les a laissés dans cette situation-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je veux dire, la personne qui a dit ça ne connaît pas le système aujourd'hui. La volonté qu'il y a eu, et c'est pour ça que je reviens toujours à dire, il faut se reposer la question, pas forcément que du code minier, mais de la politique publique en matière de développement des ressources pour augmenter le PIB du pays, pour augmenter les recettes, pour faire la formation professionnelle, parce qu'on n'a pas parlé de tout, mais dans le code minier, c'est vrai, parfois je suis négatif, mais dans le code minier, on a parlé de la formation professionnelle. Mais est-ce que les entreprises ont mis en place le sens de l'apprentissage? Non. On a parlé, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez parlé que... Les Congolais peuvent acquérir des parts, c'est ce que vous avez bien dit. Mais dans le code minier, il est dit aussi que le capital doit représenter au moins 40% de l'investissement. Bien sûr. Si vous faites un investissement de 100 millions de dollars, même une société minière, ça peut faire plus, ça veut dire que le partenaire, le capital sera de 40 millions de dollars. Si vous donnez 10 millions de dollars, 10%, pardon,
souvent les 5% pour les personnes physiques ou les 5% pour les travailleurs. Ben, c'est ça que j'ai écrit dans le code minier. Ça veut dire qu'ils doivent mettre 5 millions de capital. D'accord. On et voit puis, que ça... Et 0,3%. Mais c'est une pause très grave. 0,3% aujourd'hui, qui doit être normalement géré par l'ISO 26 000. Je ne veux pas entrer dedans, je veux justement les lignes. Et la responsabilité sociétale n'est pas appliquée. Très bien. Avec les parties prenantes. Il n'est pas d'accord, mais sinon on va peut-être avoir une autre émission pour continuer ce débat. Je veux que vous deux réagissiez rapidement à cette assertion. Je ne suis même pas d'accord avec le fait que tous les mécanismes de responsabilité sociétale n'opèrent pas. Ça, ce n'est pas vrai. Ce sera un autre débat. Parce on le que, fera. Et ouais, justement, non, je, ayant, sur, ayant, sur ayant le, été conseiller l'héritage juridique de l'ancien président. De, ayant, ouais, justement, le code minier a été élaboré par le Parlement congolais. Moi, je ne voudrais pas qu'on puisse rattacher ça à qui que ce soit. Mm-hmm. Mais tout ce que je peux dire sur le code, c'est qu'il est bon, mais il est perfectible. Voilà ce que je peux dire. Et s'il faut rebondir un peu sur la question de la responsabilité sociétale, les mécanismes de responsabilité sociétale, les 0,3% du chiffre d'affaires, je l'informe, peut-être n'est pas informé, en décembre 2021, un manuel de procédure de gestion de la dotation a été élaboré, présenté au Conseil des ministres et porté par un arrêté interministériel mine affaires sociales, appliqué. Et on a mis en place des organismes spécialisés chargés de la gestion de la dotation dans le Lualaba, dans le Haut-Katanga, dans le Haut-Touélé, Nord-Kivu et Kassai-Oriental. On a mobilisé près de 200 millions de dollars et des projets ont été réalisés. Très bien. Des grands hôpitaux. Comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. On ne finira pas ça dans une seule émission. Professeur Sakata, vous avez une réaction à ça avant de finir ? Mais oui, pour moi, c'est un bon code. Comme l'a dit l'écho, c'est un beau code. De toute manière, on a bien vu les résultats dès 2020. Hein. Vous pensez aussi, monsieur, que c'est un héritage du point de vue de la fiscalité et tout ça, on a bien vu les résultats. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, vous-même, vous avez dit tout à l'heure à quelle proportion le secteur minier contribue au budget de l'État. Donc, il faudrait quand même reconnaître que... C'est un héritage, comme disait... D'aller tout à l'heure, c'est le Parlement, et sous l'impulsion certainement du politique de l'époque. Mais il ne faut pas non plus faire la comparaison avec le Pérou. Nous avons parlé du problème de l'électrification. Hein, parce qu'il faut mettre ça en compte. Hein, mm-hmm. Lorsque vous faites vos calculs, il faut mettre la question du déficit électrique sur la balance. Il y a tellement de questions autour des mines. Les Congolais, en général, voudraient vraiment savoir, parce que c'est un secteur sur lequel les Congolais peuvent... investir, même s'il y a beaucoup de difficultés, comme on l'a vu. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Mais comme dans la rue, parce que nous rapportons aussi ce que la rue dit, nous parlerons peut-être les prochains jours, prochainement, nous pourrions parler de la commercialisation, parce que j'apprends, je ne sais pas si c'est une information, que les exploitants artisanaux préfèrent, qui se trouvent à l'est de la RDC, par exemple, préfèrent aller vendre leurs minerais au Rwanda parce qu'il est plus offrant par rapport... aux acheteurs qui sont en République démocratique du Congo. Vrai ou faux, on en parlera peut-être très prochainement aussi dans cette émission. Sinon, messieurs, c'est vraiment un plaisir d'avoir accepté cette invitation. Je vous donne à chacun quelques secondes pour conclure rapidement. Un dernier mot, on commence par vous. On commence de l'autre côté, ouais. Parce qu'on a fini par là. Allez-y. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler des codes miniers. Si j'ai quelque chose à dire en une minute, c'est de dire que les codes n'est pas la finalité. Ce n'est pas le code qui crée en fait, la finalité en termes de création de richesses. Nous avons eu ce code 2018, hein, comme nous l'avons dit, hein, qui contient énormément d'éléments, beaucoup de progrès, en tout cas législatifs, de son point de vue là. Mais il faut qu'on retienne que le code est plus centré vers la question de la rente, vers l'augmentation de la rente. Avec la rente, on ne développe pas un pays. Ce n'est pas avec la fiscalité que nous allons développer le pays. Il faudrait que dans la réforme qui va venir, que nous puissions inclure au-delà de la fiscalité des aspects qui sont liés à l'économie. Et ça, c'est extrêmement important. Et les accents d'économie sont les questions de diversification qui, pour le moment, ne sont pas suffisamment incluses dans le code minier. Deuxième chose, les progrès qui sont dans le code minier, les dispositions les plus pertinentes qui peuvent avoir l'impact sur l'économie, malheureusement, ne sont pas appliquées, en partie parce que le pouvoir public n'aimait pas ou n'a pas assez de ressources ou de capacités pour devoir les appliquer. Ça, il faut y travailler si nous voulons améliorer l'impact du code actuel. Donc, merci beaucoup, M. Armenia. Non, moi, je voulais dire... Le code minier, aujourd'hui, c'est un premier pas. Il a apporté des réponses fiscales, il a apporté des éléments.
Mais aujourd'hui, il faut l'améliorer pour que ce soit plus accessible aux investisseurs étrangers de bien le comprendre, etc. Et puis, en parallèle, cette loi, c'est une loi, elle doit venir en appui à une stratégie, à une politique publique de développement des ressources du pays. Donc, définissons la politique de développement des ressources du pays pour développer le pays en matière d'éléments et adaptons de nouveau dans les futurs un code minier qui va répondre à cette stratégie-là, qu'elle soit artisanale, industrielle, commercial, vous avez dit, etc., et plus communautaire aussi. Merci voilà. beaucoup, professeur Sakata. Bon, moi, je peux dire tout simplement que nous devons améliorer notre gouvernance pour que l'on atteigne les objectifs qui sont très bons et qui sont contenus dans le code minier. Maître Daniel Eco. Trois choses, brièvement. La première, c'est que nous devons revenir peut-être sur l'option qui a été levée sur la réglementation de l'artisanat minier, parce que la manière dont l'artisanat est en train de se dérouler dans notre pays dissuade les investisseurs, parce que par l'artisanat, l'exclusivité de l'exploitation dans les périmètres concédés n'est pas respectée. Il y a à tout moment des envahissements. Les pouvoirs publics doivent vraiment réfléchir en profondeur et les experts sur l'artisanat. Deuxième chose, c'est la place de la recherche minière. La recherche minière doit être replacée au centre des préoccupations du secteur minier, parce que si la recherche est faite par l'État, les gisements sont découverts, quantifiés et certifiés, ça nous met en position de force dans les négociations et nous n'aurons plus ces contrats de 20, 80, 30, 70, etc., si nous avons la connaissance de notre potentiel. La dernière chose, c'est ce que vient de dire le professeur. Il faudrait qu'au sommet de l'État, on voit dans quelle mesure faire régner un climat qui soit favorable aux investissements. Merci beaucoup, professeur Dany Oleko. Je rappelle donc que vous êtes... Vous voulez que je sois professeur. Je ne vais pas vous décevoir. Bon, mais je vous souhaite bonne chance. Hein. Merci. Merci. Bien. Merci beaucoup, hein, Maître Dany Oleko Yanana. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, mandataire en mines et carrières. Vous êtes ancien conseiller de la ministre des Mines, Antoinette Nsamba, chargé des questions juridiques et des contentieux. C'est exact. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Mais, professeur Gary Sakata, vous êtes député national, élu de... De Bagata, dans la province du Kwilu. Voilà, élu de Bagata. Et vous êtes avocat près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, avocat inscrit à la liste de la Cour pénale internationale, professeur ordinaire à l'UNIKIN, UCC, donc Université catholique du Congo, UPC, et ULK. Est-ce qu'on peut le voir au lieu de me voir? Donc voilà. Et vous êtes auteur de plusieurs articles et ouvrages dans le secteur des ressources naturelles, dont le dernier est le code minier expliqué que nous avons avec nous. Voilà, code minier expliqué. Qui est là, dans lequel nous avons puisé les informations que nous vous avons données aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Alors, monsieur Jean-François Arménian, le jour qu'on s'est rencontrés, je savais qu'on se retrouverait sur un plateau télé. Oui. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez consacré 46 ans de votre vie au développement de l'industrialisation, principalement par la valorisation des ressources des pays africains. Vous avez travaillé dans plusieurs sociétés minières. Vous avez une expérience de travailler avec les entreprises minières sociétales au profit des communautés. Et puis, monsieur Jean-Pierre Okenda, vous êtes expert senior dans le domaine de gouvernance des industries extractives, y compris l'appui aux réformes légales. Vous avez participé dans la rédaction du code minier et son règlement. Vous avez également réalisé plusieurs publications à ces sujets. Merci à vous aussi et merci à vous quatre d'avoir accepté ce premier exercice de cette première émission Choc d'idées. C'est un honneur pour moi de vous avoir. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis au nom de toute l'équipe de Kinshasa Télévision qui était là pour nous accompagner tout au long de cette émission. Je vous dis un grand merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver très bientôt avec un autre sujet. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Qui gâte ça à débat avec Marie Mourunga, on apporte un monde de questions et réponses avec de grands esprits. Ensemble, on bâtit un nouveau savoir. Chaud idée, qui gâte ça à débat. Chaud idée, qui gâte ça à débat avec Marie Mourunga, on apporte un monde de questions et réponses avec de grands esprits. Ensemble,
ensemble on bâtit un nouveau savoir. Chaud idée, ticato ça la débat. Chaud idée, ticato ça la débat.